Bonjour. Cette semaine, Marc-André nous propose pour notre temps d'intercession, de prière, pardon, de prier pour notre pays, vu que le 1er juillet, c'est la fête du pays, du Canada. Donc, le passage que je nous propose, finalement, pour prier, se trouve dans la première lettre que Paul envoie à Timothée au chapitre 2, qui nous dit à partir du verset 1 J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on voit ici l'importance des autorités civiles. Trop souvent, nous, en tant que chrétiens, on peut avoir peut-être un danger de négliger les autorités civiles comme si ça faisait partie, en guillemets, ce qu'on appelle le monde, plutôt que de considérer que c'est une institution que le Seigneur a établie. Et on le voit clairement, entre autres, dans l'alliance qu'il fait avec Noé au chapitre 9 de la Genèse, où il délègue de son autorité aux êtres humains. Donc, c'est ce qui devient finalement le principe des autorités. Et donc, surtout en ce moment, notre gouvernement, comme tous les gouvernements du monde, sont en train de gérer une crise et ils ont soit finalement bien, plus ou moins, ou pas bien fait, peu importe, c'est le temps qui va nous le montrer. Mais honnêtement, je suis vraiment content de ne pas être à leur place parce qu'ils ont une moyenne responsabilité pour essayer de savoir comment ils sont en train de gérer tout ça. Donc, on va continuer à prier pour eux, dans l'espoir que le Seigneur puisse aussi se servir de toutes choses, dont... La pandémie présente pour amener les gens à chercher ce qui est vrai et solide. Le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre à lui à la croix, sa mort et sa résurrection, qui est pour nous l'espoir le plus grand afin de pouvoir sortir vivant de cette vie. Que le Seigneur vous bénisse et bon temps ensemble.